Bien bonjour. Moi j'étais en pleine taille des tomates, je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo pour leur montrer ce qui se passe, ça se voit avec mes doigts. Plein de taille des gourmands, des feuilles, toi des têtes comme ça. Ça je l'avais fait déjà quelques jours, tu vois, c'est cicatrisé. Voilà, c'est plein de tomates partout là. Donc j'éclaircis, j'ai pas fait ce côté là, si je l'ai fait. J'éclaircis un peu, je taille un peu les têtes des fois quand ça part trop dans le passage, parce que là j'arrivais plus à passer quasiment. Puis même autour des bouteilles, au moins on voit clair. Et puis autour des grappes aussi, je coupe un peu les feuilles, tu vois, comme là. J'ai coupé la pointe. Il y a trop de feuilles. J'en laisse quand même beaucoup pour la photosynthèse, hein, ça qui fait le sucre des tomates. Donc voilà, ici j'ai pas fait, je sais plus. Oh si, je crois que j'ai fait. Oh, bref, je sais plus. Et des fois, je coupe aussi les pointes, comme là, tu vois, il y a plein de tomates. Ah, ça se voit, ça commence à faner. Là j'ai une grosse grappe et c'est le genre de grappe qui va péter, donc là j'ai coupé au bout. Parce qu'il y avait encore plein de grappes, tu peux avoir, je sais pas, il y en avait encore 10 là. Je sais pas, c'est pas là par terre là. Non, je vais pas la retrouver. Je vais pas la retrouver là, si c'est, tu vois, il y a encore plein de feuilles, plein de fleurs. C'est bon, là j'en ai assez franchement. Après ça va péter, ça sert à rien. Il y en a encore en haut, il y a plusieurs étages. Ça c'est des belles grappes, là c'est pareil, tu vois, elle va péter. J'aime bien la poser. J'aime bien la poser là pour soulager. Voilà. Ça va le soulager, ça peut grossir tranquille. On reconnaît bien les variétés. Ça c'est cool. Il y a de la grosse. Hein. Il y a de la grosse. Donc ça c'est sympa. Deuxième, je suis appelé, je suis à 3 ou 4 étages là déjà. Donc voilà, c'est la taille. Il fait chaud, il fait sec. Donc j'en profite. Ici aussi pareil, tous les fleurs là. Je regarde, voilà, il n'y en a que 3 sur la grappe, mais c'est blindé de fleurs. Donc je vais checker, regarder, surveiller. Là lui il repart en feuilles après, c'est rigolo. Là, les laitues ça commence à monter, je vais récolter après. Celle-là elle commence à tomber, c'est pour les graines. Donc je mets un petit piqué. Les concombres, ils sont là. Enfin bref, c'est plein de concombres, c'est génial. C'est parti, il était temps. Pas encore de tomates. C'est plein de tomates mais c'est vert. J'ai taillé aussi, tu vois, le beau. J'ai taillé aussi le raisin. Ouais, le raisin il est taillé, mais il est pas beau parce que il était parti et après on a eu la période de très froid et pas très pluie et très froid. Donc le très froid il s'est cru en octobre. Donc voilà. Bon c'était plutôt sympa. Le tunnel là est vraiment très sympa. Et de l'autre côté, ouais, j'allais vous montrer, j'étais en train de faire les tomates aussi. Voilà, tomates, la taille, j'éclaircis. Je coupe les pointes des têtes. Celle-là, elle va être grosse aussi. La branche, elle peut péter. J'aime pas trop, tu vois. J'aime bien la poser. Je vais voir si je peux la poser sur quelqu'un. Est-ce que après, ça va péter hein. Ça, c'est trop bien. Ça, les cœurs. Ça, c'est du cœur, tu vois. C'est en forme de cœur. La vraie cœur de bœuf rose. Rose ou rouge, je sais pas. On verra bien. C'est la surprise. Tu vois, là, ça va péter. Il y en a trop. Oh, j'aime bien le poser sur les autres branches. Oh, là. Ça, elle peut grossir tranquille. Elle est posée sur la tige. La tige, faut que je la mette un petit crochet, un petit anneau. Là, il n'y en a pas là. Ouais. On va faire un petit anneau comme ça. Ça, c'est trop bien ces petits anneaux là. Donc voilà, taille. Et puis j'étais arrivé ici, je me suis dit, les carottes là, c'est bon, ceux-là sont en graines. On en mangeait encore ce week-end avec le biogardin qui est passé à la maison. Il était bien content de manger des bonnes carottes de la serre. Et puis là, j'ai enlevé tout le reste. Hein, donc toujours content. Hein. C'est de la demi-longue. Demi quelque chose, enfin bref, c'est de la petite carotte de chez Lidl. Il y en a qui n'aiment pas que je parle de Lidl, mais je m'en fous. Quand tu vois qu'à 30 centimes, j'ai même pas mis tout le sachet. Donc ça fait combien là? 1, 2, 3, 4. Donc j'ai fait 8 mètres linéaires. Ouais, c'est ça parce qu'ils annoncent 15-20 mètres dans le sachet. Pour 29 centimes, t'as 20 mètres linéaires de carottes comme ça. Alors là, trouvez-moi quelqu'un dans le coin à ce prix-là qui fait mieux. Moi je veux bien, mais en attendant, c'est un truc de malade. Et là du coup je fais mes semences, comme ça je vais vraiment adapter la variété à chez moi. Mais déjà de base, je sais pas où est-ce qu'ils font leurs graines, mais c'est trop bien. Et puis j'en ai encore dans le sachet en plus. Prochaine fois, c'était encore un test, c'est ma deuxième, troisième année. Je suis super content. Et là j'ai fait 8, bah, deux fois les 4 mètres, deux lignes de 4 mètres, et je peux encore en mettre. Donc voilà, j'étais arrivé ici, taille, récolte, je check. Et là, faut que j'enlève les patates, parce que c'est bon, quoi. Ça fait deux fois qu'on récolte, mais là, j'en ai marre, j'ai envie de tout enlever. Et j'ai envie de manger de la patate, là, en ce moment. Là, c'est parti aussi, le cornichon. C'est la serre à cornichon, ici.
Ouais, verte de Paris. C'est parti, ça explose. Il y a de la vie, il y a de l'araignée, il y a de la mousse, il y a peu de tout. Mais piment, mais poivron super pas beau, c'est reparti. Mais ça fait bon, sous bizarre. Ils sont fins, je vois là, ils ont filé. Ils sont bien partis à hauteur. Par contre, le tronc, il n'y a pas fait de tronc. Donc, voilà, plutôt toujours dans mon sol, super arrosé, super sec. Là, je dois être à 10 jours, 10 ou 12 jours, ouais, 10 sans eau. C'est pas, disons que j'ai pas mis d'eau ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Toi, c'est la canicule, mais pas de maladie, pas de désherbage, rien. Regarde, c'est propre. Et ouais, il y a peu d'humidité en surface. Pas de mildiou, pas de désherbage, rien. Par contre, regarde, les plantes tomates, c'est pas malheureux. Là-bas, par contre, je mets un peu d'eau, forcément le haricot vert. Je mets un petit peu en surface pour haricot vert. Là, je laisse en stress pour que la racine part en profondeur. Et puis, bah, je remettrai un petit peu d'eau de temps en temps pour dire d'avoir un petit peu de. Enfin, de garder un petit peu, quoi, de simuler une petite pluie. Hein, ça n'existe pas. Les légumes du désert. Dans le désert, t'as des chameaux, quoi. T'as pas de tomates. Donc voilà, super content. Et puis c'est tout. Pouah, il fait chaud quand même. On commence à bien cogner. Voilà un peu l'état des serres en ce moment. Oh, c'était bien vert foncé avant de tailler, mais ça faisait. Voilà, bon, je laisse un petit peu d'air. Le vent peut passer. Voilà, l'air passe. L'humidité est là-dedans. C'est super sec les bouteilles. Ça fait longtemps que j'ai pas mis d'eau. Longtemps, longtemps. Mais au début, il en faut. À mort, à mort, à mort. Blindé, blindé. Mais là, c'est bon. C'est bon. Je vais pouvoir remettre de l'eau si je veux dans 10 jours, histoire de mettre un petit coup de boost aux tomates. Et limite, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas besoin. Mais je vais le faire quand même. Parce que j'ai fait une saison vraiment sans mettre d'eau pendant 3 mois. J'ai eu des tomates, pareil, dans le même état, bien vert et tout. Mais en production, c'était pas terrible. Niveau fleurs, poids, le goût il était bon, hein, il y avait moins d'eau, tout ça, mais c'était pas pareil. Il y avait un problème de goût quand même et de calibre des tomates. Donc ça faisait un peu de tomates séchées quoi. Donc j'ai refait l'année d'après de l'arrosage tous les 15 jours. Juste une bouteille, donc 2 litres pour 15 jours. Et c'était magnifique. Tu vois la différence de la qualité des tomates quoi. Donc faut de l'eau, pas forcément beaucoup, mais il en faut quand même. Et au début il en faut beaucoup beaucoup. Et après tu calmes. Là je peux partir 2-3 semaines en vacances. 2-3 semaines sans eau, il va avoir l'habitude. Le système racinaire il est fait, il est en profondeur. Hop, tranquillou. Pourtant, il n'y a pas d'eau aussi, hein. Je ne suis pas sur une zone humide. C'est de la craie à 80 cm. Donc, c'est le désert en dessous. Donc, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye pour de nouvelles aventures. Là-bas, ça pousse aussi. Il y a du nouveau. C'est bientôt plus quasiment rempli. Enfin, bref, la météo, elle est plutôt pas mal. Le gros tas de gazon. Paillage, paillage. Il pleut en ce moment. Donc, j'en profite pour faire des gros paillages par-dessus pour bien garder l'humidité dans le sol. Allez, ciao! Bon, voilà, j'ai arraché les deux plants qui étaient là-bas. Donc, merci mes deux plants. Bon, c'est pas celle-là, mais bon, t'as compris. J'ai mis deux petits trucs comme ça. Voilà, j'en ai planté un ici, et ça m'a fait ça. Donc, c'est plutôt quand même sympa. C'est quand même plutôt assez rentable. J'avais déjà un peu gratouillé la fois dernière quand j'ai enlevé les deux là. Moi, j'avais un peu gratté. Bon, j'aurais dû avoir un peu plus, mais c'est pas très grave. Il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il y en avait 6, peut-être 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ouais, ça va le faire. Bon, allez, semaine prochaine ou fin de semaine ou pour ce week-end. Là déjà, on a une soirée, deux jours, le lendemain un peu, avec un petit œuf dur. Ça va le faire. Donc merci les deux pommes de terre pour m'avoir donné tout ça. C'est sympa. Vous avez bien regardé ? Eh ben, ne comptez pas sur moi pour recommencer. Bon, ben voilà, c'est propre. Petit rinçage à l'eau de pluie dans les seaux. Et à la fin, avec l'eau du réseau, bien nickel la bonne eau. Et puis, une petite récupération de l'eau en dessous. Et l'eau partira soit aux courgettes. Souvent, on le met là ici. Ah, ça a changé là. Hein, ça a changé. Prochaine vidéo. Et bon, on met là-dedans au plus près. Quoi. On va pas l'arroser les pommes de terre, ça sert à rien. Ah, bref. Du coup, on gaspille pas l'eau. Et là, on va passer à la cuisson. Et là, c'est parti. J'en profite tant que c'est pas encore trop chaud. Carotte vapeur. Pomme de terre vapeur. Serre numéro 2. Serre numéro 2. Et le Blue Yeti. Voilà, il y a 1000 watts là.
Il y a 95% et 874. On est bien. Là, ça charge, ça cuit, c'est parfait. Dis-moi au revoir. Au revoir.